Pour le temps de l'année où on demande à être généreux envers nos semblables, nous avons développé une activité qu'on appelle le sapin de la générosité. Donc, en collaboration avec la Fondation des Amis d'Ulysse, de l'Académie Ulysse, de l'équipe des jeunes élèves athlètes U12 et de la Sûreté du Québec du poste de Montcalm, le but de l'activité est une remise de cadeaux de Noël et des enfants ciblés et résidents de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan. Le tout sera fait par les élèves athlètes U12 de l'Académie Ulysse en autopatrouille de la Sûreté du Québec du poste de Montcalm. À cette occasion, il nous fait plaisir de vous présenter la mise au jeu officielle. Les partenaires de l'événement, le sapin de la générosité 2018. Donc, sans plus tarder, veuillez accueillir le maire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan, M. Yves Prudhomme. Veuillez accueillir le député provincial de la circonscription de Rousseau, M. Louis-Charles Drouin. Veuillez accueillir le policier responsable de l'activité du sapin de la générosité, M. Stéphane Sainte-Ville. Veuillez accueillir la directrice administrative de l'Académie Ulysse, Mme Annie Saint-On. Nous invitons les joueurs de l'Académie Ulysse à se présenter autour des dignitaires pour la photo officielle, ainsi que les deux joueurs pour la mise au jeu. Qu'est-ce qu'on fait nous autres comme programme, comme fondation, puis spécifiquement comme équipe élève-athlète U12, nos plus jeunes, en collaboration avec qui? La Sûreté du Québec du poste de Montcalm, à Saint-Lin, parce qu'on a un papa qui est policier, il nous a présenté le projet, on a accepté, donc vous avez tout acheté un cadeau, toute la gang, pour un enfant qui est ciblé dans la ville, ici, dans la municipalité de Saint-Roch, un enfant qui aurait un besoin d'avoir un cadeau comme ça, ça serait apprécié, vous avez tous embarqué. Et même plus, il y en a qui n'ont acheté plus qu'un, bravo. Vous allez aller livrer ça en autopatrouille avec les policiers de la SQ. C'est-tu le fun, ça? Ouais. Ça, c'est un beau geste.